vous invite aujourd'hui à découvrir le résultat de notre dernier tirage avec l'oracle de la triade, qui est mon oracle fétiche en fait, hein. Il possède énormément de symboliques, de messages à transmettre. Je vous en montre un peu au hasard, hein. Voilà. Alors, je tiens tout d'abord déjà à vous remercier pour vos nombreuses participations à ces tirages, pour tous vos soutiens qui me touchent vraiment. Et comme vous l'avez remarqué, vous êtes de plus en plus nombreux à aimer la page Facebook, à me suivre sur cette chaîne YouTube. Et simplement, bah, je tenais à vous remercier parce que c'est magique. Voilà. Bon, on va procéder au résultat du tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'était la carte de la réussite. Alors, je vous les pose là, comme ça, au moins, vous pouvez la voir tout au long. Alors, avec cette carte, en fait, quelle que soit la question que vous avez posée, c'est positif. Si votre question concerne, par exemple, l'ordre sentimental, vous allez avoir la relation actuelle qui s'améliore. Et pour les célibataires, en fait, une rencontre qui approche. Si votre question est d'ordre financier, cela va s'arranger. Et si vous avez demandé, par exemple, un prêt ou quelque chose concernant un dossier, bah, il sera accordé. Maintenant, si vous attendez une réponse pour un contrat dans le domaine professionnel ou une promotion, cela arrive dans les semaines à venir. Alors, pour certains, j'ai quand même eu le message qu'il y a un nouveau départ. Et pour d'autres, il y a eu le mot formation. Voilà, donc je vous les transmets. Hein. Voilà, ça doit vous parler à ceux à qui c'était destiné. Donc ensuite, pour la carte numéro 2, c'est la carte du retour. Ah, je vous la pose là aussi. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que votre question est par exemple, d'ordre sentimental. Il se peut que vous deviez faire le point sur votre relation et voir ce qu'il y a de positif et de négatif. Par rapport à ce que vous êtes, et voilà, voir si vraiment vous voulez continuer. Si vous avez ensuite des doutes sur la fidélité de votre conjoint, de votre partenaire, de la personne qui vous accompagne sentimentalement, la réponse est que vos doutes ne sont pas du tout fondés. Attendez, je repousse un peu l'église qui est en train de me mettre toute la décoration en l'air. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur une personne en particulier et que vous êtes séparés ou en mauvais termes, il y aura certainement un retour de cette personne-là d'ici 3 mois maximum. Aujourd'hui, nous avons réglé ce qui a envie de jouer. Alors, si votre question est sur le domaine financier, il y a un souci de gestion ou d'avarice. Pour d'autres, j'ai eu le message qu'il est temps de franchir le cap et de vous séparer de cette relation étouffante. Voilà. Donc ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. La carte numéro 3. Alors, attendez. Avec l'église, je vous assure, c'est pas facile. Mais c'est trop marrant. Je vous le mets là. C'est la carte de l'amour. Très belle carte, hein, le cœur est magnifique. Avec la croix au-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que votre relation est au beau fixe. Et pour les célibataires, il y a certainement une nouvelle rencontre qui arrive. Pour d'autres, si jamais c'est des questions financières, en fait tout se passe au mieux et vous aurez certainement l'aide d'une personne. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une demande en mariage dans l'air, hein, qui va être faite rapidement. Et après, selon la question que vous avez posée, on m'a dit que vous vous reconnaîtriez. Il faut fuir cette situation de soumission qui dure depuis trop longtemps et vous empêche d'être vous-même car bah, vous aimez plus en fait le matériel que vous-même et c'est en train de vous ronger de l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous tous. Ensuite, pour la carte numéro 4. Comme ça. La carte numéro 4, c'est la carte donc de la naissance. Pardon, excusez-moi, je vais tout mélanger. Alors, avec cette carte, il s'agit d'un manque de dialogue dans la relation sentimentale. Pour d'autres, c'est l'envie d'avoir un enfant qui n'est pas toujours partagé, mais ça annonce quand même une grossesse dans l'année. Alors, que ce soit pour vous, quelqu'un qui vous parle si c'est une amie proche, quelqu'un de la famille, voilà, vous serez certainement la personne dont il s'agit, et donc, voilà, c'est que ça va se passer. Pour d'autres encore, il y a le message d'une nouvelle rencontre, et cette rencontre, en fait, elle est la réponse à une demande d'une relation qui vous sécurise, qui vous protège, qui voilà, plus que épanouissant et tout ça. Hein, il y a vraiment les mots sécurité et protection. Alors, si la question posée concerne votre chemin de vie, c'est que vous devez aller vers
tout ce qui touche les domaines professionnels avec les enfants. Voilà, donc si vous avez des doutes, certainement que ça va vous conforter. Et il y a aussi une réponse pour de nombreux contrats et des projets qui se concrétisent, hein, donc que du bonheur en fait, hein. Et la dernière carte, donc vous avez vu tout à l'heure, c'est la carte de la mutation. Donc si vous avez choisi cette carte, attendez-vous à des changements très très bientôt. Quand je dis changement, c'est vraiment des bouleversements, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel. C'est vraiment fou, ça va être un ouragan dans votre vie, mais un ouragan positif. Voilà. Donc, et pour d'autres, on va parler aussi d'un départ pour vivre à l'étranger qui se fera dans les 6 mois maximum. Donc voilà. Et si la question était d'ordre plus financière, il y aura bientôt une stabilité. Il y a vraiment une rentrée d'argent qui se fait simplement par du travail en plus. Vous n'attendez pas à un gain au loto ou un héritage de l'oncle Sam. Voilà, mais vraiment quelque chose qui arrive et qui est bénéfique. Voilà, donc ça sera tout pour le tirage de la triade pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura surtout éclairé sur vos questions. Donc, si vous souhaitez me soutenir dans mes actions, je vous invite à aimer et vous abonner à ma chaîne YouTube, sans oublier bien sûr d'aimer ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Gratitude infinie. Je vous envoie de belles ondes positives en cette période de sortie de confinement. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'était Inès.